c'est Rookster, nouvelle vidéo des Bayer Light Killer avec le démo Gorgon, un build bien basé sur la protection de vos générateurs et sur l'utilisation de votre M2. Vous allez donc partir sur le crochet flagellateur Écho de douleur de l'artiste qui fait qu'en début de game, vous avez 4 crochets qui sont placés sur la carte et vous verrez leur aura en blanc. Vous allez commencer la partie avec 4 jetons. La première fois donc un survivant et qui bien vous perdez son jeton, le générateur avec la meilleure progression va exploser, il perd immédiatement 25% de sa progression et il va commencer à régresser. Vous allez prendre le tour et jouer du clown qui fait que lorsque vous allez aucun survivant, et bien le générateur que vous allez endommager et bien va perdre immédiatement 30% de sa progression actuelle. La régression donc est appliquée au générateur suite à l'action endommagée donc du générateur. Et bien évidemment, cette compétence est active pendant 45 secondes après le hook. Intervention impure de l'épidémie qui fait que les 3 générateurs les plus éloignés de vous sont bloqués par l'entité pendant 2 minutes en début de game. Les survivants ne peuvent pas les réparer, vous verrez leur aura en blanc. Et si jamais vous mettez un survivant en état critique, cette compétence se désactive. Enfin, rejetons de l'ombre du spectre qui fait que votre champ de vision est supérieur à la normale de 15 degrés. En add-on, les lunettes de barbe qui vont réduire de 15% le temps de recharge de déchiqueter en brisant une palette. Et ce n'est pas le foie de roi, c'est bien le cœur noir qui va réduire donc de 15% le temps de recharge de déchiqueter. Alors l'idée dans ce build est simple, déjà avec les deux add-ons ainsi que le rejeton de l'ombre, vous allez maximiser l'utilisation de votre M2. Vous allez pouvoir fake du coup votre pouvoir au niveau des palettes. Du coup pour forcer eh bien, les survivants à quitter les loops, si jamais ils ne le font pas, vous essayez de main game un peu, vous utilisez votre pouvoir et vous allez briser donc la palette beaucoup plus rapidement. Avec le cœur noir, lorsque vous allez toucher un survivant du coup avec votre pouvoir, eh bien, vous allez récupérer assez rapidement et vous pouvez donc continuer votre chase. Profitez bien des 2 minutes de l'intervention impure en début de game du coup pour essayer de détruire un maximum de palettes pour vous assurer un mid game et un fin game à votre avantage. Avec les crochets flagellateurs, vous allez pouvoir ralentir naturellement le rythme de la game. Si jamais vous dominez votre partie, n'hésitez pas à en conserver pourquoi pas un ou deux même pour le milieu et fin de partie. Enfin, le tour est joué vous permettra aussi naturellement de ralentir le rythme de la partie. D'autant plus que si jamais eh bien, vous mettez un survivant sur un crochet flagellateur, vous allez donc lui faire perdre immédiatement 25% de sa progression. Généralement, eh bien, il y a des survivants qui vont revenir ne serait-ce que pour toucher le générateur et empêcher du coup eh bien, la perte de progression. Et là, vous pouvez remettre immédiatement un pop, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir contrôler un maximum le rythme de génération donc des survivants. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay, ça se passe sur Hawkins. Si jamais le contenu vous plaît, le petit pouce bleu, la cloche, vous pouvez me retrouver sur Twitch du lundi au samedi. Amusez-vous bien sur des BD et bonne chasse à tous. Rien faire, littéralement tu peux rien faire. Et encore, même en faisant comme ça, au final, c'est compliqué quoi. Mais ça, après, faut l'expliquer aux gens, tu vois. Bon, ok, au 15. Ah, salut! Ça vaut quoi, Kate? Voilà. Salut, Ripley. Quoi, Marius? Bon, elle était par là. Ouais. Tu vois pourquoi je l'ai senti que la... Je l'ai senti qu'elle allait... Qu'elle allait... Je sais pas pourquoi, mais je l'ai senti. Après, il y a des hits qui passent pas et qui devraient, et il y a des hits qui passent pas et qui devraient pas, qui passent pas et qui devraient, enfin t'as compris, je me suis emmêlé les pinceaux, mais bref, t'as compris. Ok, nice. Jeanne! Jeanne Pesson, hein. Elle est paissant la Jeanne. Pardon. Pardon. Ah. Ok. Comme quoi tu vois, paissant ça veut rien dire.
Ok. Je sais, mais je sais que c'est parce que ça te fait trigger. Il y a quelqu'un qui est là. Ok, il y avait quelqu'un qui était là. C'est justement parce que je sais que ça te fait trigger que je le dis. Ok, replay. Comment je peux faire un truc aussi débile, quoi? Comment est-ce que je peux faire... Je sais que t'as deux fronts, tu me l'as fait deux secondes d'avant. Tu me l'as fait il y a deux secondes, ma chérie. Oh, oui, oui, oui. Je me suis rattrapé sur mon terrible... terrible shred absolument minable. Bien joué. Saleté, hein. Jeanne. Bon, là, il y a 4. Ok. Là, il y a quelque chose qui est tombé. Ouais, c'est bien ce que je pensais. L'aide Riri, t'es sur le live ou pas? Et coucou KitKat. Non, je disais Riri. Y'a ma LED derrière qui est tombée là. Putain, c'est pas... Rolo. Un petit pop. Non, Riri. On va mettre un petit truc. Je voulais envoyer un cœur, mais j'ai pas le droit. Bah, si, t'as le droit d'envoyer des cœurs. Pourquoi t'aurais pas le droit d'envoyer des cœurs? Tadam pam pam. J'entends quelqu'un là. Elle doit être en haut, elle. Non? Ok, c'est son reset. Ah bon, ok, salut Jeanne. Et voilà.
Ok, elle est déjà là-bas. Je sais même pas comment elle a fait pour passer là. Pam 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 pam. J'ai pas fait goûter grand chose, Nova. Non, mais hé. Hey. Bah écoute, ouais, la de front est morte, ouais. C'était la replay. Bon, du coup la Jeanne elle est morte là. C'est la Meg là-bas. C'est la Meg ici. Ouais, j'en étais sûr. Voilà. C'est la Meg. Ici, c'est la Meg. Ok, viens là. Bon, il reste un gène, Nova. Normal. Ok, elle est partie des hooks. Ok, moi ça me dérange pas, mon ref. Ça me dérange pas. Meuf qui me body block exprès pour etc. Bah tu prends. Je peux pas fermer la trappe. Je pouvais pas fermer la trappe. Oh la dinguerie quoi. Oh bah GG. Putain, sérieux, je me disais merde.